Allez, on est parti. 7 heures et 3 minutes de route. Il y a un type qui fait du stop. C'est qui? Oh, Qui? c'est tonton Glenn. Chill? Glenn? T'es sérieuse? Tu vas où? En Suisse? Mais pareil! Je roule avec toi? Oh non, pas lui. Quelle coïncidence, t'es pas du tout truqué ni mis en scène? C'est fou ça! Bon voilà, première pause pipi. C'est la route des vacances. C'est mon vlog, c'est mon vlog. C'est aussi mon vlog. C'est mon vlog. Afou, t'as de l'argent pour pisser. C'est mon vlog. Afou, c'est quoi cette famille, Afou? C'est quoi cette famille? Ça fait maintenant plus que 27 heures qu'on est dans la voiture. Ah, attends, petit prout. Non, Glenn. Oh non. Je vais gaguer. Tout le monde, c'est Glenn. J'ai fait ma première nuit ici au Moxie. Qu'est-ce qu'on dit dans un vlog, en vrai? Qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de la façon dont j'ai dormi? Honnêtement, les gars, maintenant qu'on est entre nous, on est vraiment entre nous, vous pouvez vraiment parler à moi. Qu'est-ce que vous pensez de Jill, en vrai? C'est vrai que dans les commentaires, vous devez toujours dire « Ah, Jill, elle est sympa, elle est cool ». Mais ici, dans mon vlog, vous n'êtes pas obligé. Donc mettez aussi dans les commentaires ce que vous pensez vraiment d'elle. Bye guys. Ce matin, on a décidé de se balader dans les alentours de Sion. Parce que cet après-midi, on ira dans le centre pour une visite guidée. Et donc là, on est au domaine des îles. C'est un grand domaine avec un lac. Il y a plein de petites plaines de jeux pour les enfants et tout ça, c'est très chouette. J'ai l'impression que Jill, elle a fait un prout là tantôt. Et... elle marche un peu bizarrement. Je pense qu'elle a fait un peu de sauce avec. Je parle de toi, Gilles. Allez, continue. Bon, voilà, les gars, on se retrouve à Sion. On est parti donc pour environ, je pense, 1 km de montée vers un ancien château du 14e siècle. Et ça sera très cool. Et je suis déjà essoufflé. C'est parce que j'ai le Covid. Tu peux faire des petits plans aussi un peu de la ville, hein, Glenn. Je suis payé pour ça ou quoi? Je suis une merde en fait. J'arrive. Faites du sport. Mangez des fruits et légumes tous les jours. Et buvez de l'eau. On y est presque. Eh ben non. Bon voilà, on est arrivé dans le château, on a grimpé et maintenant on doit trouver le dragon et libérer Fiona. Oh my god. Let's go guys. On est en train de grimper la tour. Oh, t'es grave mystérieux mec. On est où? Mais dis-le avec une autre voix. On est à... Je suis avec Silent Jill qui va vous montrer comment on mange une frite belge. En Suisse. Alors, Jill, s'il vous plaît. Pour une frite, on y trempe son restant de ketchup. On vient badigeonner la frite. Et puis, on vient... Alors, les gars, après un super repas, ici, dans le petit resto, comment il s'appelle ? Café des Châteaux. C'était très, très bon. On a très bien mangé. Voilà, et c'est... Moi, j'ai mangé un pulled burger. Moi j'ai mangé un schnitzel. Et c'est là que notre journée à Sion se clôture. Elle s'achève ici. Voilà. Donc cette première journée qui était une bien belle journée. Je trouve aussi. On s'embrasse. À demain. À ciao. Nous voilà à Evolène les gars. On vient d'arriver. Evolène qui est une ville en Suisse. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais on est là pour ça. On est là pour découvrir. On va découvrir cette magnifique ville pittoresque. Et voilà quoi. Ta gueule. Et tu vas créer une avalanche à force de hurler à la mort comme ça. Seulement une fois par année. Si vous êtes sympa toute l'année. Ah oui, tu veux dire qu'on mangeait rarement.
se passe ta visite guidée? Pourquoi tu regardes comme ça, déjà? T'as testé beaucoup de vins, Glenn? Rosé, rouge, blanc. Je suis pas bourré, hein. On continue la visite. On dirait Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Hein? As-tu vu les belles quenouilles? C'est pas prétentieux, ça. On est pas à Benidorm, en fait. On est où, là? Bon, voilà, comme vous pouvez voir, Evelyn, pas mal, hein? Pas mal. C'est cool, surtout... On a bien dormi au bord de l'eau. C'est un endroit reposant, apaisant. C'est clair. On a vu respiré ça, le bon air de la montagne. C'est clair. Et maintenant, planning? Planning, on va tout doucement rentrer à l'hôtel. Petit moment tranquille ou pilou, hein. Voilà James qui est mon barman aujourd'hui, parce que je lui ai commandé un petit cocktail bien servi. J'ai l'impression que ce gars a un futur dans l'alcool et dans l'alcoolisme. Merci pour rigoler. Merci beaucoup. C'est parti pour un escape room au Moxie Hotel. Yes, donc si jamais ce vlog ne sort jamais, c'est parce qu'on n'est toujours pas sorti de la chambre. Allez. One eternity later. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We did this, man. Let's get it. Fuck all y'all. I got this, man. Bon voilà, là on est arrivé au Real Fly, comme vous voyez. C'est parti pour un indoor skydive, un petit moment de folie, de aventure et de pur swag. Aujourd'hui, c'est la dernière journée et on est dans la station de Nenda pour faire du... Snowboard. Du ski. Patin à roulette. C'était pas censé être mon vlog, Jill. Donc tu vas lâcher cette caméra parce que bordel de merde. En tout cas, cette dernière journée... Elle est totalement différente des autres, hein. Ça va, Glenn? Ouais. Super l'activité, hein. Super! Mais t'es complètement seule! Faites bien sécher vos affaires, hein, dans... T'es pas ma mère, Jill, t'es pas ma mère! Arrête! Voilà les gars. C'est dans le salon du Moxie à Sion que se clôture notre voyage, notre vlog, mon vlog. Ton vlog, Glenn. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la façon dont je vlog, parce que j'ai aussi fait le editing pour ce vlog. Le montage, pour ceux qui ne comprennent pas. Le montage, j'ai été payé quoi, 25 euros? Moi. Dommage. Bref, je passe de nouveau la caméra à Jill. Je reprends le flambeau, les amis. J'espère en tout cas vous revoir très vite pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Lâchez un pouce bleu, dites-nous en commentaire si vous avez kiffé. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.